vous devez penser, cette femme n'a jamais dû pleurer. Sachez pourtant que mon existence ne fut longtemps qu'un drame immense. Papa, maman, mes frères, mes sœurs vantaient partout mon air rieur et chacun me croyait heureuse. Papa, dis tout, j'étais nerveuse. Tellement que j'allais voir un docteur. Tousser, 33, voyons le cœur. Je vois ce que c'est. Petite madame, n'auriez-vous pas du vague à l'âme? Ou bien alors le grand chagrin? Je répondis, je n'en sais rien. Mais je rêve la nuit de choses curieuses. Et ça me rend très nerveuse. Ainsi, tenez, quand sur l'écran, je vois s'embrasser deux amants d'un long baiser métaphysique. Ah, ça me rend neurasthénique. Et si le baiser est un final qui finit plus, ça me fait du mal. La tête me tourne, je me sens fiévreuse. C'est énervant d'être si nerveuse. Ah, très grave, m'a dit le docteur. Je vois ce que c'est. Maladie de cœur. Vous êtes jolie et puis charmante. Et bafouillait les mains tremblantes. Merci, docteur, lui ai-je dit. Je vais me chercher un petit mari. Et j'ajoutais d'une voix moqueuse. Oh, y a pas que moi, hein, qui suis nerveuse. Un, et puis deux. Deux, et puis trois. C'est la même chose à chaque fois. Les mêmes mots, les mêmes phrases, des tas de phases et pas d'extase. Des moi ceci, des moi cela, des tu verras, et on voit pas. Puis cette question, alors, heureuse? Heureuse, pourquoi? Non, je suis nerveuse. Comment le dernier s'y est pris? Je n'en sais rien. Il faisait nuit, et moi la nuit, ça me rend peureuse. Il peut se passer des choses affreuses. Et puis, je me souviens plus de rien, sauf qu'il m'a dit au petit matin. Alors, madame, toujours nerveuse? Nerveuse? Oh non. Je suis amoureuse.